Peuple haïtien, hier encore, nous voyons que la communauté internationale, là, à travers CARICOM, décidé pour le passer, peuple haïtien, dans la bêtise. Donc, les gens, ça a fait depuis plus que un siècle. Nous connaissons que depuis après le départ, Jean-Claude Duvalier, domination, ça a vint plus mal. Ça a vint plus raide. C'est eux contrôler tout ça pour nous faire dans le pays d'Haïti. Ils ont crasé l'agriculture, ils ont détruit le cochon créole, ils ont assuré qu'ils ont une mauvaise presse tout partout, ils ont fait connaître nous un accident, ils ont crasé tout ce que nous avons mis en place pour aider le peuple, nous. Et ils ont pris le contrôle total et réel pour voir qu'ils ont décidé en Haïti, avec un seul objectif, la guerre Haïti dans le trou. Peuple haïtien, aucun citoyen conscient, aucun haïtien, pas d'accord accepter ça, communauté internationale là, mettez devant nous. Premièrement, c'est communauté internationale là, en complicité avec élite pourrie et sentie Haïti, politique et économique, qui l'a gagné dans tout que nous là. Deuxièmement, à Ougan, c'est arrivé trop, tellement loin, que vous pensez que malgré tout ça, au fin de faire là, c'est yo qui a décidé qui est-ce qui pourrait diriger Haïti avec un objectif clair pour ressusciter, pour régénérer système ça, qui n'est pas bon pour le pays. Encore une fois, m'a dit nous, l'évolution a marché, il a marché très bien. Moi là, depuis 3 mois, moi suis arrivé là, mais dans un pays qui n'a pas aucun espoir. Et je dis, grâce à l'idée révolution, grâce à un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes qui croient dans l'idée ça, nous arrivons, montrer blanc, que j'en pense qu'il y a un contrôle bagay là en Haïti, ah, c'est pas vrai. Blanc dit, pas bien transition, non en transition. Créole parler, créole comprendre. Nous dit blanc, a bon l'autre transition parce que c'est pas ça, c'est pas moun sa yo kap mené la transition. Et yo obligé faire bac. Devant volonté et détermination, peuple haïtien. PM Ariel Henry te dit, la plage jusqu'à 2025 pour faire élection et remettre 2026. Encore une fois, peuple haïtien rappelle dit non, c'est pas vrai. Ça pas fait. Et encore une fois, PM n'a obligé de faire bac malgré tout appui et support qu'il gagne dans la communauté internationale là, plus précisément corps groupe. Donc c'est pour nous montrer que plus gros force qui gagne, c'est le peuple là. C'est pour nous dire que seul monde qui a une légitimité aujourd'hui pour décider qui gens qui laisse qui va mener Haïti sous Raïli, c'est le peuple haïtien. C'est nous seulement qui avons légitimité. Et nous avons force pour nous forcer. Bataille n'est pas facile. Parce que j'en ai pensé, tant qu'on a l'histoire, tout peuple qui n'a tout que n'y a là, peuple allait le camper, le plus souvent, il déconjoint le support, force publique. L'armée d'Haïti, ou bien on partit dans l'armée d'Haïti, par exemple. Police nationale, ou bien on partit police nationale. Malheureusement pour nous, peuple haïtien, nous n'avons pas de support, mon zéro. Ils ont campé en face, puis ils défendent le statu quo. Sous prétexte que c'est l'ordre public qui a défendu. Et au bien qu'on est. Pour qui ça? Pour un petit chèque? Mais au fait. Vous mettez en face peuple là, craser peuple là, tuer peuple là, pour assurer qu'il y a, pour pérenniser le système ça, pour mettre yo, pour patron yo. Moi, je souhaite que secteur, puisque il y a un secteur là dedans quand même, qui a conscience, qui a brûlé la situation pas bon, a pris conscience, même un peu tard, il a campé, pour camper avec le peuple, pour dire non, pour camper avec le peuple, et mener le peuple, ensemble, côté nous en vie rivière. Maintenant, de nous pour nous mobiliser. Décision CARICOM n'a pas de décision panne. CARICOM n'a aucune autorité légale pour décider qui est-ce qui va venir diriger Haïti. Il n'a aucune légitimité pour venir décider pour nous. C'est nous qui vous décidez. Et seul gens, pour nous forcer à accepter, c'est nous mobiliser. Même jeune fait blanc fait bac sur question pas bien transition dans transition. Même jeune fait bac dans question Ariel Henry pas font pas. Même jeune fait gouvernement haïtien fait bac dans question la plage jusqu'à 2026 là. C'est nous camper encore dans la rue. Puis les bétons pour nous dire blanc CARICOM encore une fois. Ou pas même grand monde là caillou. Faire respect. C'est haïtien qui a décidé qui laisse qui a dirigé Haïti. Si nous croyons dans ça. Si nous voulons changement réel là, radical là. Même je ne fais pas travail ça déjà, on continue mobilisation. On mobilise, on campe.
Et on dit, cette fois-ci, nous avons joué Haïti que nous rêvons. Et cette fois-ci, le système n'a pas tourné encore. N'a pas crasé le système, n'a pas détruit le système, n'a pas démantelé le système. Et ce que j'en appelle, c'est mobilisation, c'est détermination, c'est force, c'est courage. Nous souhaitons la police nationale acclamée d'Haïti à suspendre, agir comme force, reste avec et mettez au service de nation. Merci.